Clergeau, écologue, professeur au Muséum national d'histoire naturelle. Je crois qu'il a préparé, je vois, je ne sais pas très bien comment ils vont se répartir le travail, Je n'ai pas mais l'information. ça sera une discussion, peut-être un échange avec Pierre Donadieu, professeur émérite en sciences du paysage à l'école du paysage de Versailles, pour parler de Paris au Grand Paris. Il manque une partie du titre dans le programme, qui est Biodiversité et système urbain durable. On m'a demandé effectivement de vous présenter quelque chose sur biodiversité et un petit peu comment cette notion d'écosystème avait commencé peut-être à prendre sens dans l'histoire aussi de Paris. Et donc du coup, j'ai été demandé à Pierre Donadieu d'échanger avec moi, de discuter, de m'aider un petit peu à développer un peu ce sujet que j'ai l'habitude de traiter, mais là j'avais envie aussi d'avoir une autre vision, d'un peu plus complémentaire, et ça a été l'occasion pour nous de rééchanger autour de voilà. Donc Pierre me laisse la parole, mais il interviendra bien évidemment sur les nombreuses questions qui auront lieu. Alors l'entrée donc du coup c'est biodiversité, hein. Donc je vais parler de plantes et d'animaux plutôt, puis après on va voir comment est-ce que ça fait sens aussi sur des approches d'urbanisme. Alors la première chose en tant que biologiste, donc c'est du constat, c'est du diagnostic. Clairement, il y a des espèces sauvages qui s'installent en ville. On appelle ça souvent une nature spontanée qui s'établit. Alors évidemment, ça fait 25 ans que je travaille à peu près sur ce sujet-là, donc en captivité, vous vous doutez bien que c'est plus que résumé et schématisé. Ça a été long, ça vient avec l'histoire, avec aussi la transformation de la ville, l'apparition des parcs, etc. On pourra peut-être en reparler, je vais essayer de retrouver des éléments, parce que j'ai beaucoup épuré mon propos, ce que j'aurais peut-être pas dû faire. Le deuxième point qui est fort, qui ressort de nos travaux, c'est que les écosystèmes urbains, cette notion de fonctionnement, je vais y revenir tout le temps, ils sont différents des écosystèmes ruraux et naturels. Et ça, c'est important parce que ça veut dire que tout ce qu'on connaissait sur les relations entre le sol et les plantes, entre les plantes, etc., eh bien, on ne peut pas caler ça directement dans la ville. Pour de multiples raisons que vous comprendrez et que je vais exposer notamment quand on va aborder un peu les services écosystémiques en ville, mais parce que de toute évidence, on a l'homme qui est pas simplement une petite variable qui vient s'ajuster à ce moment-là, mais qui est complètement prégnant, organisateur de cette faune et de cette flore, ce qui est un peu différent dans le monde agricole. Moi, j'ai enseigné pendant très longtemps, j'ai travaillé 20 ans à l'INRA. Et quand je parlais des écosystèmes ruraux, voilà, c'était d'abord comment ça tournait, et puis après on montrait comment les agriculteurs perturbaient ou pas, et contraignaient un peu ces systèmes-là. Le troisième point, c'est une réponse un peu, pour moi, est évidente, mais vous allez voir qu'elle fait sens. Et puis c'est surtout parce que le nombre de journalistes qui me disent, qu'il y a des espèces qui apparaissent en ville, Alors donc non, la génération spontanée, ça n'existe pas. Ils viennent de quelque part et ils viennent du périurbain, ils viennent de sources, évidemment, d'espèces. Et donc il y a une forme de colonisation qui est permanente. Puis il y a des espèces qui s'installent, puis il y en a d'autres qui ne s'installent pas. Et puis ce qu'on a montré un peu plus récemment, c'est que leur présence, elle est très liée aux ressources disponibles, évidemment. Faut qu'il y ait à manger, faut qu'il y ait de quoi se reproduire. Et puis à la gestion des espaces. Et ça, c'est un point qui est de plus en plus important, et les travaux qu'on mène avec d'autres collègues européens montrent que c'est même sans doute un des points les plus forts. Donc on va revenir un peu sur cette notion de nature qui peut être spontanée, mais qui doit être en même temps un peu jardinée, préparée, attendue. Donc j'ai pris juste deux exemples en dessous d'un jardin avec de la pelouse et puis des arbres taillés, où là, effectivement, on peut, s'il n'y a pas de traitement, on peut trouver quelques vers de terre, mais il n'y a pas grand-chose sur la pelouse. Puis dès qu'on a des zones un peu dites de gestion écologique, hein, donc qui font partie d'une gestion différenciée, là, on a des fleurs, on a commencé à avoir des pollinisateurs, on commence à avoir des reproductions de plantes, et donc on n'a plus du tout le même type de système. Voilà. Ah oui, puis j'avais mis le faucon cresserelle pour expliquer un petit peu ces notions de colonisation et d'adaptation. C'est un bel exemple que je recite tout le temps.
C'est que le faucon cresserelle, c'est un rapace, une espèce très spécialisée qui mange pratiquement que des mulots et des campagnols. Et puis, il s'est installé progressivement en ville. Dans toutes les capitales européennes, il est installé. Il est surtout dans les clochers des cathédrales, d'ailleurs. Mais il n'y a pas beaucoup de mulots en ville. Et donc, du coup, il a changé de régime alimentaire. Hein. Il mange plutôt des insectes et des moineaux. Et puis, il a changé de comportement. Il ne fait plus son Saint-Esprit que tout le monde a vu au bord des routes. Donc voilà, ça fait partie de... c'est un petit peu des éléments un peu rapides, mais pour dire que n'importe comment, quoi qu'il se passe, quoi qu'on fasse, on a toujours... Alors, cette pression, c'est peut-être pas le terme, mais cette notion d'espèces spontanées qui vont s'installer dans la ville et qui vont être intégrées. Hop, là, c'est pas ça, voilà. Alors, une des questions rentrantes qui fait moins sens aujourd'hui, parce que je pense qu'une grande partie d'entre vous connaissent ces sujets-là, mais quand même, notamment pour les élus et pour une grande partie des décideurs, c'est pourquoi prendre en compte cette nature ? Alors, il y a de multiples entrées que je ne vais absolument pas développer. Il y a les notions de patrimoine, il y a les notions d'éthique, il y a les notions de changement aussi de regard par rapport à un environnement. Et puis, il y a, et surtout pour le bien-être du citadin. Il faut être clair, hein, la ville, elle n'est pas faite pour la nature, elle est faite pour l'homme. Et on va voir dans mon propos un petit peu comment ces deux éléments vivants s'articulent, s'organisent, etc. Et j'aime bien citer ce tableau du Millennium Ecosystem Assessment, qui est un travail des 2005. C'est exactement comme le GIEC, où 500 chercheurs du monde entier se sont réunis et ont travaillé pour répondre à une question de l'ONU. Ça sert à quoi, la nature? Il faut qu'on explique à tous ces gens qui sont en train de tout bétonner, de tout arracher, etc., qu'il y a un rôle de cette nature. Et ce qu'ils ont fait, ils ont fait un tableau qui est assez surprenant, même pour le scientifique qui retrouve évidemment des éléments. Nous, on aime bien les petites boîtes, hein, faut qu'on arrive à s'y retrouver. Et ils ont fait d'une part des services écosystémiques. La nature nous rend des services d'approvisionnement, c'est la première boîte qui est là-haut, de régulation et puis des services culturels. Et là-dedans, alors ça c'est d'une façon très générale, hein, ça s'applique à tout. Alors, je reviendrai là-dessus tout à l'heure pour la ville. Et puis en face, ils ont mis les constituants du bien-être, la sécurité, les bases matérielles du bien-vivre, la santé, les relations sociales, etc. Et puis ils ont osé faire des flèches en disant que, notamment, tous les services de régulation sont complètement indispensables, par exemple, pour la santé des populations. Et un des résultats très forts de cet élément-là, alors... Ça peut se discuter, hein, ce sont des éléments de débat, et il y a eu débat là-dessus. C'est d'expliciter un peu plus concrètement que la nature, c'est bien sûr de l'environnement, de la pratique. Mais il y a des choses très très concrètes derrière qu'on est capable d'identifier. Et puis surtout, donc c'est la phrase qui est en dessous, c'est de résumer ça en disant le rapport de l'homme à la nature, il a changé, et aujourd'hui, il y a une reconnaissance que le bien-être de nos sociétés est directement dépendant du fonctionnement naturel. Et ça, c'est un point qui est très fort parce que ça repose des questions de tout ordre, qu'ils soient philosophiques, religieux, déontologiques, tout ce qu'on veut, voilà, qu'on peut mettre derrière. C'est-à-dire que on a à être réinterrogé sur notre rapport à cette nature et particulièrement en aménagement du territoire. Alors, je parle beaucoup de durabilité. Moi, c'est un terme. Alors moi, j'ai vécu l'arrivée du développement durable avec les débats qu'il y a eu de façon un peu forte et violente même entre les ministres à l'époque. Pour moi, ça a du sens. Alors bon, c'est pareil, ça peut être un objet de débat ou de changement de terme si on veut. Mais bon, je trouve que c'est un beau projet de société, hein, de vouloir mettre cet environnement, ce développement économique et cette sociologie relations sociales ensemble. Le terme de nature, en fin de compte, que je viens d'utiliser, moi je l'utilise peu de façon générale, c'est pas assez précis, tout est nature, hein, le climat, les volcans, la bestiole, ça. Et donc du coup, un des termes sur lequel moi je travaille, c'est la biodiversité urbaine. Et cette biodiversité, c'est la diversité des organismes vivants, mais en même temps, ce sont les écosystèmes, les espèces, les gènes qui sont en interrelation et leur organisation. C'est donc pas du tout que de la richesse. Et ça, c'est un raccourci que font énormément en ce moment de médias, de papiers de collectivités aussi. On a beaucoup de papillons, donc on a beaucoup de biodiversité. Non, on a beaucoup d'espèces. Est-ce que ces espèces-là, elles ont des relations entre elles? Voilà. Donc ça, dans le fond, alors ça, c'est ça qui tire et qui explique pourquoi on pourrait
avoir une réflexion qu'on est en train de mener, donc du coup, de passer du verdissement, voilà, qu'on sait faire, à de la biodiversité. Je développe un peu donc, cette notion de fonctionnement qui est très forte. Pour illustrer, quand on parle d'un petit pot de géranium, d'un petit pot de menthe sur un potelet dans un petit godet, pour moi, ce n'est pas de la biodiversité. C'est un être vivant qu'on a placé là parce qu'on en a besoin, parce que c'est joli, parce que ce n'est pas de la biodiversité. Il faut qu'on rentre dans un processus, dans du fonctionnement pour qu'on parle de biodiversité. Donc je vais parler de biodiversité, c'est quand j'ai un puceron qui vient s'installer dessus ou que j'ai une abeille qui vient la polliniser. Là, je ne peux plus, en tant qu'écologue, dire bah, ça ne sert à rien, ce n'est pas de mon propos, ça c'est de l'horticulture. Je suis dans une autre démarche. Le processus et le fonctionnement m'amènent à un autre regard. Voilà. C'est ça que je veux essayer de faire passer, de vous faire passer. C'est les réflexions qu'on mène, évidemment, beaucoup avec les paysagistes aujourd'hui. C'est un petit peu ce passage de l'un à l'autre qui nécessite aussi de bien comprendre les enjeux, qui sont évidemment toujours les pratiques. On va y revenir dans les questions. Pierre répondra ça nettement mieux que moi sur les pratiques et les usages de l'espace, les notions d'ambiance ou autres. Mais il y a cette notion un peu de durabilité, de stabilité qui va derrière ces processus. Alors les deux exemples que je prends aussi maintenant depuis peu de temps, mais comme ça c'est bien illustrant, 90% des toitures, notamment à Paris mais pas que, c'est du sédum. Pourquoi ? Parce que c'est très facile à installer, ça rend plein de services, ce qu'on vise. Point de vue biodiversité, c'est nul, il n'y a rien. On a très très peu, on a des araignées, mais on a très très peu d'espèces qui s'installent sur une petite couche de sédum. L'autre exemple alors là, qui fait débat, mais c'est les platanes. Toutes les villes ont mis des platanes. Pourquoi ? Parce que ça résiste super bien. Ça, c'est certain. Hein, la pollution, la sécheresse, tout ça, le platane, c'est très fort. Voilà. Mais le jour où on a, comme pour l'orme, que vous connaissez cette histoire-là, cette espèce qui a disparu du sud de la France, exactement pareil. Le jour où le tigre du platane, qui est pour l'instant plutôt dans le centre de la France, va être beaucoup plus puissant et va passer outre nos gestions, on ne va plus avoir de platane. Brusquement, on va se retrouver avec une disparition complète de nos arbres, ou presque, j'exagère, mais pas beaucoup. Donc vous comprenez que cette notion de monoculture, c'est typique de l'agriculture, hein, cette notion de monoculture ne peut pas aller avec une durabilité. Il faut qu'on approche, on ne fera jamais des chaînes alimentaires naturelles comme on en a dans les systèmes vraiment naturels, mais il faut qu'on s'en rapproche, et c'est ça qui fera cette notion de durabilité, qui feront que nos parcs seront peut-être moins à entretenir et à gérer. Et aujourd'hui, dans nos résultats, qui sont menés avec les paysagistes, entre autres, c'est aussi cette notion de gestion qui est très compliquée et qui est une pointe un petit peu dans nos fonctionnements. Donc j'insiste un peu là-dessus, sur donc, l'intérêt de verdir, c'est une première étape, c'est évident. On va avoir donc les services hein, que j'ai déjà cités, qu'on va développer un tout petit peu. Mais avec cette approche de biodiversité, cette notion de complexité, d'hétérogénéité, on va plus loin. Et donc, du coup, on est surtout capable d'avoir des systèmes qui peuvent s'entretenir. Alors, je ne parle pas, bien évidemment, surtout en urbain qui nous intéresse, je ne parle pas que d'avoir des plantes sauvages. Hein. Ce n'est pas l'occasion, ce n'est pas le sujet. C'est d'avoir à la fois des plantes qui sont spontanées et qui participent complètement à des couvre-sols, à des choses comme ça, choses qu'on sait faire aujourd'hui, avec des plantes qui sont plus ornementales, qui fleurissent beaucoup plus longtemps que nos espèces spontanée, par exemple. Alors ça m'amène à une vision un petit peu, qui est peut-être un peu moins opérante aujourd'hui, mais il y a 2 ans, quand je commençais mes tournées de conférences, que je fais énormément, donc c'est toujours un peu la même chose, c'était de bien faire comprendre que, par exemple, on avait une bonne approche quand on avait supprimé les pesticides dans tous nos parcs et jardins. De toute évidence, on a plein d'insectes qui sont réinstallés, on a plein de mauvaises herbes qui sont arrivées. On va vers cette notion de complexité, cette notion de système, et plus tous les services que ça rend, hein, moins d'entretien, on conserve de l'eau dans le sol et tout ça. Mais en même temps, il faut que ces espèces, elles arrivent, c'est ce que je vous ai dit au tout début. Donc du coup, on peut être à l'échelle locale, un travail sur les jardins, donc gestion écologique, les zéro pesticides et tout ça, là, évidemment. Mais ce qu'il faut absolument qu'on arrive à faire, et c'est là où, enfin, le Grenelle de l'environnement est venu un peu à notre secours, c'est une approche de l'échelle globale, même pour le traitement des jardins. Or, jusqu'à il y a très très peu de temps, alors je reparlerai d'Alphand à la fin, hein, mais jusqu'à très très peu de temps, on travaille sur un parc, on travaille sur un jardin, sur un square, on ne travaille pas du tout sur une organisation de jardin. C'est excessivement rare depuis Alphand. Excessivement rare. On va en reparler à la fin, en conclusion.
Alors, vu du point de vue de l'écologue, c'est complètement indispensable. Comment vous voulez que mes mulots, mes petits insectes ou autres... Alors, il y a des espèces qu'on ne veut pas trop, je vous accorde, mais ceux qui font qu'un sol fonctionne aussi. Au lieu de sans arrêt d'être sur des apports de nutriments, sur des binages pour aérer le sol, on a plein d'espèces qui savent très bien faire ça et qui, en agriculture, ont déjà fait largement leurs preuves. Donc, il faudrait qu'ils puissent arriver, pas en centre-ville, mais au moins dans nos métropoles, au plus près des cieux urbains ou autre chose. Donc, ça nous oblige à avoir une lecture, une étude sur des quartiers, des villes, des régions urbaines, hein, pour prendre en compte un peu ces notions de dispersion des espèces et de corridors écologiques. Alors, bon, c'est des choses qui sont connues. Je pense que la plupart d'entre vous ont déjà utilisé ces arguments ou les ont entendus. Bon, à l'échelle locale, je vais garder cette notion d'échelle, hein, sur tout mon propos. À l'échelle locale, pourquoi est-ce qu'on voudrait continuer à augmenter la qualité des espaces verts? Bon, on a déjà beaucoup parlé ces derniers jours, donc sur la qualité, sur l'ambiance, sur la pratique, sur cet usage un peu de ville, sur une forme de bien-être. Mais très concrètement, on peut aligner des services. Donc, c'est un peu technique, si on veut, bien sûr. Mais donc l'amélioration du cadre de vie, ça, c'est des choses qui ont été démontrées. Hein. Le bien-être, la création de liens sociaux, la santé. Il y a des super synthèses de Scandinavie, je crois que c'est des Suédois, et anglaises, qui ont démontré comment les gens étaient beaucoup moins malades quand ils voyaient de la verdure, alors encore plus quand ils la pratiquent. Donc, ça, c'est des choses qui sont connues maintenant. Balance l'attrait du périurbain vert. Alors voilà, on est deux. J'aime bien laisser ça parce que c'est un peu polémique. On reparlera peut-être des densités dans les questions, c'est un vrai sujet. Parce qu'avec quelques collègues, notamment allemands, on pense que si les villes étaient beaucoup plus accueillantes, les gens s'y trouveraient mieux et auraient moins tendance à la quitter systématiquement. Alors c'est un peu raccourci, c'est un peu simpliste, tous les problèmes de foncier, entre soi et autres, sont à prendre en compte. Mais n'empêche que c'est peut-être un argument aussi tout à fait de voir la ville autrement et de la vivre autrement. Donc du coup, toutes ces mobilités pendulaires, comme on dit, voilà, sont pour être revisitées. Bon, c'est des questionnements qui restent un peu à l'œuvre. Et puis surtout, ça régule certains problèmes environnementaux. Alors c'est très connu, l'infiltration des eaux de pluie, la fixation du particulier atmosphérique, là il y a eu plein de démonstrations. Et stockage de CO2. Et puis aujourd'hui, les plans climat qui commencent à être de plus en plus importants dans toutes les villes, dont Paris, c'est parce que on s'est rendu compte que ces végétaux avaient un vrai pouvoir de rafraîchissement. Alors, c'est connu depuis très longtemps, hein, les arbres dans les pays du Sud. Ça a été mesuré. Hein, ce sont des archis qui ont fait ça, d'ailleurs. Les premiers travaux, c'était à Marseille. Il y en a eu d'autres, hein, à Strasbourg et autres, qui ont mesuré une place avec des arbres, exactement la même place, les mêmes orientations, sans arbres, et puis des boulevards. Et à chaque fois, on a 3 à 5 degrés de moins quand il y a des arbres, d'une façon globale. Vous voyez l'importance que ça a dans le discours actuel de réchauffement climatique et de cette importance de l'îlot de chaleur urbain. Alors, à l'échelle globale, je reviendrai un peu tout à l'heure sur les questions qu'on s'est posées. À l'échelle globale, il y a une entrée qui existe déjà, dont on a beaucoup parlé, que je ne vais pas aborder, c'est le paysage du paysagiste, concepteur, etc. Mais il y a aussi, etc., je veux dire... les géographes, les archis, les peintres ont tous une approche, une vision du paysage. Donc c'est beaucoup le territoire perçu, ça c'est un peu la base. Et ce qu'il y a eu dans les années 1980, il y avait une histoire un petit peu, mais c'est surtout dans les années 1980, donc c'est récent, qu'a été formalisée la notion de landscape ecology, de paysage, d'écologie du paysage, c'est-à-dire de voir le paysage aussi comme... un ensemble de fonctionnements pour plein d'espèces qui pouvaient circuler avec des sources d'espèces et des éléments comme ça. Donc c'est une lecture à grande échelle un petit peu, donc d'un fonctionnement d'un territoire. Et ça, ça a été pris en compte dans le Grenelle. C'est la trame verte et bleue dont Cédicia a parlé un peu ce matin, hein, qui est devenu un outil d'aménagement du territoire où on se rend compte qu'on ne peut pas garder des petites réserves, puis faire n'importe quoi autour. Il faut soit changer toutes les politiques générales pour qu'on ne fasse pas n'importe quoi autour, ou alors il faut qu'on permette d'avoir des corridors et des vraies circulations, ce qui a été un des objectifs du Grenelle environnement. Alors cette trame verte et bleue donc, a été très bien démontrée en agriculture, en zone naturelle, beaucoup de travaux dans les grands paysages australiens au début et puis américains. Beaucoup plus récemment, il y a eu beaucoup de travaux aussi en écologie du paysage dans les milieux agricoles,
européen. Et à chaque fois, on se retrouve avec, bah, par exemple, ce que je montre là. C'est très simpliste, hein, c'est évidemment plus compliqué que ça, mais en gros, avec des tâches d'habitat. Dans le Grenelle de l'environnement, ce sont des réservoirs de biodiversité dans lesquels vivent les espèces. Ça peut être un bois, une lande, un étang, et voilà. Et puis ces espèces, elles passent d'un réservoir à l'autre en utilisant des corridors. Puis la matrice, elle est plus ou moins perméable, permissive un peu au déplacement de ces espèces. Mais ce n'est pas là que les espèces elles vivent, ces espèces-là tout au moins. Et donc du coup, par exemple, en bas, on a une forme de bocage où il y a des petits bois dans lesquels les espèces vivent, mais on a reconnu, on a très bien trouvé, la plupart des espèces que je montre là, ça a été travaillé aussi bien sur des oiseaux que sur des insectes, on a bien une utilisation de ce territoire de cette façon-là. Enfin, voilà. Et puis, aux surprises, alors, nous d'habitude, c'est quand les chercheurs ils ont une idée, moi je l'ai vécu en agriculture, il faut 10 à 15 ans pour que ça passe dans la profession, dans les idées ou autres. Et là, pour une fois, cette idée-là, elle a fait sens. Et brusquement, déjà dans le Grenelle, on a commencé à parler de trames vertes et bleues en ville et de corridors urbains. C'était des choses qui étaient tout à fait nouvelles. En 2007, avec un Américain, on avait commencé à publier sur ce sujet-là, mais on était un peu des farfelus. Donc c'était évident que... Moi, je ne travaillais pas avec la France. Hein, c'était trop compliqué pour aborder ces problèmes urbains. Puisque la ville était l'essence même de l'homme, c'était de la relation sociale, c'était du bâti et de l'archi, c'était pas certainement pas de la nature. Et donc du coup, c'est plutôt avec les Finlandais et les Canadiens qu'on a travaillé à l'époque. Donc du coup, ça a été réappliqué, cette idée-là de ben, on va faire pareil en ville. Mais du coup, ça nous a posé plein de questions à nous, un peu chercheurs, techniciens, ingénieurs de l'organisation, en se disant mais ok, on peut avoir des superbes parcs qui sont très bien gérés, donc ça peut être des vrais réservoirs, hein, pourquoi pas, mais un corridor urbain, moi j'en connais pas. Est-ce qu'il y a vraiment des zones qui sont à la fois des petits habitats qui permettent à plein d'espèces de circuler? L'effet matrice, il est complètement différent. Hein, mon exemple du bocage avec des prairies, moi, mon écureuil, il peut traverser une prairie. Mon mulot aussi, mon escargot, c'est un peu plus long, mais il peut y arriver. Il ne traversera pas une barre d'immeuble, évidemment, ou un quartier avec plein de voiries. Donc, du coup, ça reposait des questions sur la réalité, sur l'existence même de ces notions de corridor, sur lesquelles on a travaillé donc, depuis quelques années. Alors, derrière cette idée-là, un petit peu, il y avait... il y a un schéma qu'on avait posé un petit peu comme hypothèse de départ, là, que je représente ici. Donc on a la bulle grise, c'est une ville. Puis on a des petites bulles vertes, c'est les parcs. Et puis en général, donc, toute ville qui s'agrandit a tendance à construire un parc dans une zone facile d'accès, foncièrement et tout ce qu'on veut, inondable de plus en plus. Et donc du coup, on arrive à ce qu'il y a à droite, c'est-à-dire on continue à faire nos petits zonages, entre guillemets, de parcs. Et la question qu'on s'était posée, c'était si on appliquait à l'urbain exactement les mêmes principes que ce que l'agriculture ou ce qu'on a pu voir dans d'autres pays, c'est-à-dire des formes de maillage, de trame verte, ça donnerait sans doute quelque chose qui est plus proche du dessin de gauche en bas, avec des quartiers très végétalisés, des vrais corridors plantés avec des arbustes et tout, et puis évidemment des liaisons avec la source, hein, que sont ou des forêts ou des landes. Bon, alors pour la ville, c'était pas très très nouveau. Et dans l'histoire urbaine, il y a eu ces liaisons vertes, voilà. Kansas City a fait des choses dès 1860 pour relier tous ses parcs. Donc il y avait déjà des grands principes, hein, sans revenir sur d'autres grands historiens de la ville ou des cités-jardins, il y avait déjà pas mal de principes. Et donc du coup, on a réfléchi un petit peu à l'époque. Donc c'était un programme que j'ai animé sur qui s'appelait Trame verte urbaine, où on était une douzaine ou une quinzaine de laboratoires. C'était un très gros truc, une grosse usine à gaz, 60 chercheurs, avec des sociologues, des urbanistes, des anthropologues, des biologistes, des généticiens. Donc on avait abordé un peu toute cette approche très trame verte. C'est les continuités qui nous intéressaient. Et je donne juste... Alors, j'ai pas le temps du tout de développer tout ça, mais il y a eu des constats, il y a eu des bons résultats de recherche. Il y en a d'autres qui nous ont amené plutôt à des questionnements nouveaux. Alors parmi ceux-ci, pour rester sur mon entrée un peu service écologique, service écosystémique, le maintien d'une biodiversité ordinaire jusqu'au cœur des villes.
Hein, on a vu qu'effectivement, dans des villes, dans certaines villes, même très étendues comme Nantes, avec, je pense au pont du Sens, etc., avec tous ces grands couloirs de ripisylve, on va très loin où on retrouve des espèces qui permettent à des petits espaces plus ou moins de fonctionner. La transparence régionale, je ne sais pas si j'ai encore beaucoup de temps, la transparence régionale, ah c'est tout, ouais, voilà. Enfin, compte, je suis toujours très bavard, donc c'est bien fait de faire court. Bon, la transparence régionale, c'était juste parce qu'avec le réchauffement climatique, on a toutes nos espèces qui glissent vers le nord et que des grandes métropoles comme Paris sont des vrais blocages pour toutes les espèces peu mobiles. Il n'est pas question de faire des vrais corridors en plein centre de Paris, ça n'a aucun sens, mais dans une réflexion de métropole, il serait bon, par rapport à un questionnement comme ça, d'imaginer aussi des formes de continuité, donc des approches et des lectures sur des cartes aussi à très grande échelle. Donc du coup, comment est-ce que ça fonctionne au point de vue écologie ? Support pour les transports alternatifs, bon, ça maintenant c'est un peu dépassé, ça a été très, très bien testé à Bruxelles et dans d'autres villes. Toute la Seine-Saint-Denis fait ça, avec son parcours des parcs par exemple en ce moment. Il y a une augmentation de nature de proximité, c'est des termes qui sont très forts pour la population, c'est des choses qui reviennent sans arrêt quand on fait des enquêtes sociologiques, on veut voir la nature, on veut continuer à être émerveillé, etc. Je simplifie, hein, parce qu'il y a beaucoup d'espèces qui ne sont pas acceptées ou acceptables, évidemment. Et c'est intéressant parce que ça nous a reposé aussi des questions par rapport à la densification, qui est un grand sujet de l'urbanisme. J'espère qu'il y aura des questions sur la densification douce, que je n'ai pas le temps d'aborder, mais qui est un vrai débat, me semble-t-il, à avoir, où on a un rôle tous à jouer, hein, que ce soit sur les espaces ouverts, que ce soit sur les espaces bâtis. Mais cette densification... plutôt que d'avoir des très grands parcs, on multiplie l'interface un petit peu avec ces corridors verts et puis tous les citadins qui habitent en bord. Alors évidemment, la pratique d'un corridor n'est pas la même que dans un parc. Ça, on le sait très bien. Et puis aussi, évidemment, c'est intégrer la ville dans une biorégion, dans un fonctionnement beaucoup plus global et donc, du coup, dans une forme d'écologie un peu plus générale, notamment. Alors ces liaisons vertes, elles sont réfléchies aujourd'hui en espace public. Il y a plein de ripisylves qui sont retravaillés dans certaines villes. Il y a des cheminements qui longent des ruisseaux. Il y a des lotissements maintenant qui se font ou des pavillonnaires qui se font en suivant la géographie, hein, qui est complètement fondamentale, évidemment. Et puis on s'est reposé des questions aussi sur nos connaissances, sur ce que nous on appelle des pas japonais, c'est-à-dire des corridors qui sont un peu discontinus. Ça marche moins que quand c'est très continu, mais ça marche mieux quand il n'y a rien du tout. Et donc du coup, on a testé aussi des fonctionnements de pavillons, de petits jardins comme ça, à faire passer aussi des espèces. Et selon les qualités de jardin, eh ben oui, tout à fait, on arrive à avoir une forme de transparence, de perméabilité de ces paysages, qui sont quand même très, très construits, hein, très, très organisés, très gérés, eh ben, en fonction du type de haie, notamment. C'est surtout ça. Maintenant, on commence à arrêter un peu toutes ces haies de laurier palme et de thuya. On arrive à avoir, effectivement, des fonctionnements qui sont un petit peu différents. Alors, on a fait aussi des travaux sur les jardins privés d'entreprise. On n'est plus du tout sur la même taille, mais au point de vue relation ville-campagne, on a montré des choses qui étaient attendues, qui étaient connues. Hein. Donc c'est un petit peu ce tour un petit peu de la ville par ces jardins d'entreprise. Et on a testé par des modèles que je n'ai pas eu le temps d'expliciter, que quand on enlevait dans un fonctionnement en réseau ces jardins d'entreprise, eh ben on supprimait aussi effectivement des capacités d'échange. Et il y a un vrai travail qui est très très peu abordé aujourd'hui avec ces jardins d'entreprise qui sont des hectares et des hectares. On travaille beaucoup sur les petits jardins privés, on travaille beaucoup sur nos espaces publics, mais ces jardins d'entreprise ont certainement un rôle. Nous, on a des preuves un petit peu de fonctionnement qu'il faudrait sans doute aborder beaucoup plus facilement. Alors, pour aller... L'idée, c'est d'aller vers une transition écologique urbaine aussi. Hein, et donc, du coup, de dépasser la simple installation d'une nature dans la ville. Et donc, du coup, ça interroge. Alors, ça fait partie un petit peu du jeu, moi, que j'avais compris, où on devait reposer des questions pour l'avenir aussi en recherche. Alors, comme c'est mon métier, j'en ai plein, donc je me lâche. Donc, il y a vraiment une présence de biodiversité urbaine. On a des questionnements sur les fonctionnements. Il y en a plein qu'on connaît. Il y en a d'autres qui sont à retravailler. Donc, je vous ai dit le mieux-être du vivant humain et non humain dans un même système. Donc, je vous ai parlé un peu de philosophie et de déontologie. Il y a des choses assez passionnantes à repenser aussi. C'est l'homme dans un fonctionnement du vivant. On en a parlé déjà un petit peu, ça a été questionné aussi ce matin. Il y a la pluridisciplinarité qu'un urbaniste qui se voudrait vertueux, résilient aussi, impose. C'est-à-dire, alors j'étais,
les propos de l'agence Terre étaient tout à fait éloquents. Il faut qu'on se base d'abord sur des études de géographie et d'écologie et de biodiversité avant de commencer à mettre systématiquement nos rues et nos baraques, puisque c'est dans ce sens-là en général qu'on fait. On met notre voirie et après on met les maisons. Voilà, il y a sans doute donc des concepts à repenser. Alors c'est du questionnement, hein, on ne va pas tout bouleverser du jour au lendemain, mais qu'il faut absolument avancer. Et évidemment, dans ces notions de réseau, de système d'emboîtement, alors j'ai parlé un peu d'échelle, mais il n'y a pas que les échelles qui s'emboîtent. Et puis tout un débat qui a été souligné aussi ce matin, qu'on est quelques-uns, hein, je pense à Bernard Landau, à systématiquement renfoncer comme clou, c'est retrouver des cohérences de gouvernance, quoi. Ces silos administratifs sont une plaie dans notre fonctionnement, donc ça a été dit sur l'organisation, sur les choix et autres. C'est-à-dire que dès qu'on décide de faire quelque chose, on a non seulement un nombre de niveaux de décision énormes, il y en a 7, je travaille sur pleine commune, on a 7 niveaux de décision avant de pouvoir faire un aménagement du territoire, c'est vraiment fou, quoi, voilà. Et en même temps, effectivement, quand j'ai travaillé, alors j'ai supprimé plein de diapos, mais j'ai bien fait, sur le fonctionnement, par exemple, nous on a beaucoup travaillé sur le diagnostic croisé, c'est-à-dire comment des urbanistes, des paysagistes, des écologues, des géographes, des hydrologues ont travaillé ensemble, notamment on a travaillé sur Toulouse, et comment est-ce que ça a permis, alors des discussions pas simples, parce que chacun a des objectifs différents, de redonner des images un peu différentes, et puis des projets, des objectifs. Donc on retombe sur la notion de projet, de projets complexes qui ne sont pas simplement l'œuvre d'une amélioration un peu douce, ce que disait un peu ce matin, qui est-ce qui a dit ça? C'est Gambach, je crois, si je me souviens. Voilà, ce n'est pas simplement une transformation douce. Je pense qu'il y a un élément de changement de paradigme, comme l'a fait Alphand et Haussmann, avec d'autres moyens, je le concède. Aujourd'hui, on est sur un vrai virage sur les mobilités, sur notre rapport à notre environnement, à notre nature, etc. Donc c'est là aussi qu'on va retrouver cette histoire avec les précurseurs, à la fois cette notion de système que la plupart des intervenants précédents ont souligné, hein, cette notion de réseau, cette notion de voir la ville comme un tout. Et pour l'écologie, c'est quelque chose d'un peu nouveau quand même aussi. Et puis cette notion d'organisation, d'urbanisme qui dépendrait d'un grand service transversal. C'est des choses que j'ai écrites. J'ai attaqué pas mal les DGS et les DGA sur le fonctionnement des municipalités, la façon de prendre la décision et sur la façon dont il faudrait repenser aussi. Alors, je ne suis pas content complètement à côté de la plaque pour avoir discuté de ça beaucoup avec notamment les élus de pleine commune sur lesquels on a été loin, mais voilà. Alors juste deux diapos pour finir un petit peu sur les nouveaux horizons de recherche sur ces aménagements. Alors à l'échelle locale, je ne vais pas insister, c'est des choses qui ont été dites un petit peu. Il y a plein de choses qui se passent sur les toits et les murs végétalisés. C'est pas le summum, il vaut mieux travailler sur du sol, hein, on est tous d'accord. Mais ce sont des éléments qui participent complètement de ce qu'on a dit sur les transformations de l'espace urbain à tous les niveaux, quoi. Et nous, ça nous pose des questions. On parle alors c'était le débat à midi, c'était l'agriculture urbaine qui aujourd'hui est une mode. Hein, on parle même plus de production, donc on fait du potager, on a un pot de thym, on fait de l'agriculture urbaine, donc ça devient un peu n'importe quoi. Mais je crois que ce matin, quelqu'un avait répondu un peu violemment aussi là-dessus. En même temps, il y a des vraies questions sur notre maraîchage qu'on avait au début, qu'on a tout quitté. Il faut réinstaller du maraîchage à proximité de Paris. Donc il faut reposer aussi des questions. Peut-être pas pour Europa City, qui n'a peut-être pas sa place, mais je ne suis pas d'accord non plus pour que ce soit des céréales comme ça, comme ils ont, avec énormément d'intrants et de pesticides à la porte de Paris, et qu'on ne fasse pas du maraîchage à la place, alors que ce sont des très bonnes terres. Je pousse un peu le bouchon, mais il y a énormément de réflexions sur ça. Alors nous, on se pose des questions sur ces nouvelles communautés de plantes. On ne connaît pas ces néosystèmes. Quand je vous dis qu'il faut du spontané avec des espèces horticoles, mais pour que ça fonctionne, pour qu'on puisse imaginer de la permaculture, alors on en est un peu loin en ville, hein, à mon avis, il faut connaître, il faut travailler là-dessus. Et pour l'instant, il y a peu d'expérimentation. Et puis des nouveaux designs architecturaux. J'avais représenté à Bignol-Billancourt des travaux qu'a mené Chartier-Dalix, avec qui on travaille en ce moment sur une nouvelle forme un peu de façade. Et puis donc, à l'échelle de l'urbanisme écologique, l'idée... alors. Que vous lirez dans les notes, je n'ai pas le temps de développer, mais Paris, ce n'est pas une ville, c'est un centre-ville. Donc du coup, ça a une difficulté de gestion. Et quand l'idée de Grand Paris, il y a une dizaine d'années, a commencé à prendre un peu plus d'ampleur, comment on peut gérer un centre-ville sans pouvoir avoir de gestion de ce qu'il y a entre la ville et puis la campagne, pour faire simple, hein, voilà. Bah, évidemment que Grand Paris a une unité fonctionnelle obligatoire. Je ne peux pas travailler aujourd'hui avec mes collègues
européens notamment, sur Paris. Je suis obligé d'être sur le Grand Paris pour comparer avec Rome ou avec Berlin. Ça n'a aucun sens autrement. On va retomber sur les multifonctionnalités et puis des choses que j'ai dit. Et puis, nous, on travaille plus précisément sur un petit peu ces notions de continuité en ville, comment elles peuvent faire sens, et puis sur des questions qu'on peut ouvrir sur les formes urbaines. Donc là, je viens d'installer un groupe, un peu de réflexion, uniquement sur les formes urbaines qui pourraient répondre à tous les enjeux, alors, parce qu'il n'y a pas que l'enjeu écologique, il y en a plein d'autres sur les pratiques qu'on a vues ce matin, et comment est-ce qu'on pourrait se reposer des questions, pas simplement pour améliorer tout doucement un existant, mais pour imaginer des vrais objectifs forts, etc. Donc du coup, ça nous repose aussi des questions sur est-ce que le système de parc qui a été repris partout, qui a un sens, il est toujours d'actualité? Est-ce qu'on peut imaginer d'autres fonctionnements? Donc voilà, ça m'amène à autre chose. Et puis voilà, j'avais prévu aussi d'intervenir un tout petit peu, mais je l'avais supprimé sur les forêts urbaines. Je pensais que Cédric en parlerait, parce qu'au niveau du climat, c'est quand même dans les grands projets des plupart des métropoles, c'est de faire des forêts urbaines. Pour, pas simplement pour la pratique et pour la promenade, mais surtout pour rafraîchir la ville. Il y a vraiment une démarche internationale là-dessus. Donc du coup, ma dernière diapo, elle correspondait à ça. Donc je vais m'arrêter là-dessus. Merci. Merci à vous. Peut-être quelques questions, Philippe Clergeot ou Pierre Donadieu aussi. Peut-être que Pierre veut intervenir. Pierre. En deux mots, je voudrais évoquer une expérience récente que je viens d'avoir, puisque je reviens de 15 jours à San Francisco. Ce qui est frappant dans l'exemplarité de cette ville qui m'a absolument séduite, sur un plan justement écologique, environnemental, ambiance, etc., c'est qu'en fait, il y a une réponse qui est singulière et qui n'est que pour San Francisco. Ça veut dire qu'en fait, chaque ville, chaque région urbaine doit trouver sa solution. Et cette solution, elle est sur le long terme. En deux mots, qu'est-ce qui est particulier lorsqu'on vient de Paris et qu'on arrive à San Francisco et qu'on regarde l'espace public? C'est qu'il n'y a aucune plantation monospécifique dans les rues. Toutes les rues ont des espèces mélangées. Trois oliviers, deux chênes, trois platanes, etc., etc., etc. C'est-à-dire qu'on a déjà mis en place depuis très longtemps cette idée de diversité végétale, alors sans compter la diversité animale, qui est facile à mettre en place sur le plan spontané, ce qui n'empêche pas d'avoir des parcs qui ressemblent à Central Park, hein, puisque ça a été fait avec les conseils d'Olmsted, et d'avoir des lieux jardinés tout à fait prévus pour le public. C'est qu'en fait, il y a plusieurs régimes, finalement, de fabrication d'espaces publics, avec des modèles culturels différents. Dans certains petits parcs parfaitement ouverts à tous, il n'y a que de la nature sauvage, avec par exemple l'arrivée des coyotes. Et on est prié de ne pas nourrir les coyotes. Donc vous avez, je dirais, tout un ensemble, mais qui ne s'est pas mis en place du jour au lendemain. Un article extrêmement intéressant que vous trouverez sur le site de l'Université de Nanterre, fait par un professeur de géographie de Berkeley, indique que pour mettre en place la totalité de la région urbaine, c'est-à-dire le centre-ville de 800 000 habitants et la région urbaine de 7 millions d'habitants, il a fallu pratiquement un siècle de politique publique environnementale. Et où, dit-il, les femmes ont joué un rôle absolument capital. Et ceci n'étant très très mal connu, sauf à des historiens qui vont revoir finalement la façon dont on a résisté localement, par exemple, à la construction, même au comblement de la baie, d'une partie de la baie de San Francisco. Donc ça veut dire que toutes ces politiques dont nous parlons aujourd'hui sont engagées depuis, enfin on va dire pour Paris, pour la région parisienne, depuis au moins 30 ans ou 40 ans, et qu'il faudra peut-être encore autant, sinon plus, pour parvenir à des résultats tangibles, pour autant que la population soit effectivement impliquée, parce que par exemple les pieds d'arbres, c'est une réalité là-bas, chacun dans la rue, pas forcément dans les centres-villes, pas forcément dans le downtown, ont finalement une responsabilité sur les arbres, et le terme qui résume cette préoccupation collective, ça s'appelle « urban forest ». La forêt urbaine est un renouvellement permanent. Dès qu'un arbre tombe, est mort, etc., il est remplacé et il a finalement des tuteurs, au sens humain du terme, pour s'en préoccuper et pour assurer sa pérennité. Donc l'exemple de San Francisco est tout à fait important, tout ceci dans un climat général
de préoccupations écologiques sur la question de la mobilité électrique, sur la question des déchets, sur la question des énergies renouvelables. Donc il y a aussi un contexte qui emmène finalement la société vers des horizons assez nouveaux. Merci Pierre. Une ou deux questions dans la salle ? Pas de questions. Merci Philippe Clergeot.